Hey, c'est Capans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéculation, comme on les aime. Avec le pack mariage, nous avons une nouvelle collection, et c'est celle des bouteilles à la mer. Ça marche comme pour les autres collections, vous devez creuser dans des petits tas de terre, en l'occurrence des petits tas de sable sur la plage, et ces bouteilles contiennent des messages parfois assez énigmatiques qui parlent pour la plupart de pirates. Au moment où je préparais cette vidéo, j'ai vu que Plumbella en a sorti une sur le contenu des bouteilles, donc je vous la mets en barre d'infos si vous voulez la voir. Pour éviter que ça fasse doublon avec son contenu, je vais passer rapidement en revue les messages des bouteilles, pour ceux qui n'auraient pas vu sa vidéo ou qui ne parlent pas anglais, et après on ira approfondir nos recherches avec quelques objets du mode construction. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un drôle de foyer et aussi un drôle de terrain. On va bien sûr revenir sur tout ça, mais d'abord on va regarder un petit peu ce qui se trame dans ces bouteilles. C'est long mine de rien pour lire un message, dis donc. Vous avez vu un peu le temps qu'elle met? Hop, je vais les mettre tous à l'affilée, hein, parce que... Si vous ne laissez pas cette bouteille là où vous l'avez trouvée, la prochaine fois que vous serez seul dans une pièce, la porte disparaîtra. D'accord. J'ai pris le train pour aller à la mer aujourd'hui. Mon mari n'est pas au courant depuis que nous avons déménagé à Senbamachi. Quelque chose ne va pas. Les feuilles sont magnifiques et c'est beaucoup plus calme. Je crois que le bon air est bénéfique pour les enfants. Mais est-il bénéfique pour mon mari et moi? Drama! Désolée, Tempérance, mais ta sœur riche en calcium a volé mon cœur. Peut-être que dans une autre vie, les choses auraient pu marcher entre nous. Les vagues infinies s'écrasent sur les rochers. Qui lira ce message? Je ne le saurai peut-être jamais. Est-ce que tes yeux brillent en lisant ce texte subtil? Non. L'idée de ma rose qui sourit me rend fébrile. J'espère que tu ressens la même chose que moi, et que notre amour prometteur ne mourra pas. Et si un jour tu parviens à venir jusqu'ici, tu y trouveras un cœur, une maison, et une joie infinie. Le message est signé FJ dans un petit cœur. Qu'est-ce que les pirates détestent? La réponse est écrite de l'autre côté. Qu'on les mène en bateau. M'étant cogné le pied sur une ancre, je passe la journée à la plage. J'ai pensé que ce serait intéressant d'écrire mon premier message dans une bouteille. Pensée du jour, les Sims me demandent toujours ce qui est arrivé à mon bateau. La jambe de bois. Eh bien, il a coulé. Enfin, techniquement, je l'ai fait couler, mais je préfère éviter les détails techniques de ce genre. C'était un incident impliquant du varech, une cimerenne et un dauphin. En tout cas, j'espère que si quelqu'un trouve cette lettre, il est dans un meilleur état de santé que moi. Soyez prudent, ce monde est dangereux. Capitaine Rodrigo de Pablo. Le coin de la lettre est taché d'encre, comme si un encrier avait été renversé par maladresse sur le papier. J'aime bien ce genre de détails. Et c'est marrant parce que Capitaine Rodrigo de Pablo, je crois bien que c'est lui, ouais, Rodrigo de Pablo. Bonjour, je m'appelle Jace. Tommy m'a dit qu'elle avait jeté un message dans une bouteille dans la mer il y a quelques jours, alors j'ai décidé d'essayer aussi. J'ai 6 ans et ma couleur préférée est le bleu, c'est trop mignon. J'aime écouter de la chouette musique pour enfants et parler avec mes amis, surtout Tommy. Quand j'ai du temps libre, j'essaie de trouver un trésor enterré, comme un pirate. Mon endroit préféré pour jouer est le terrain de jeu des pirates. Est-ce que tu as une couleur préférée? J'espère que tu passes une bonne journée. C'est vraiment trop mignon, hein. Je suis ni une pirate ni l'aventure dont elle rêve, mais plutôt une amie proche. Je la laisse donc partir avec tout sauf mon amour non réciproque. C'est un secret que je partage avec la mer et personne d'autre. Alors que je suis un peu comme les marées qui testent les limites de ses côtés en revenant chaque nuit de façon brillante, elle est aussi libre que la mer, sauvage et incontrôlable, une force à admirer. Je ne la dompterai pas même si je le pouvais. La lettre est signée avec une fioriture élégante, Lady Matilda Tartosa. C'est trop mignon. Tu lis la lettre que j'ai écrite, Moussaillon? Et bien maintenant tu es maudit. Ha! Moi et mon fidèle perroquet sommes libérés. Captain Yeet. Pourquoi j'ai lu ça comme Michael Jackson, je sais pas. Main dans la main, nous, Camille et Dominique, nous sommes engagés l'une envers l'autre. Nous envoyons ce message le jour de notre mariage. Deux âmes unies par l'amitié et l'amour. Ça c'est chaud. Je finis par rencontrer tout le monde, même vous. La faucheuse. Cela m'a pris beaucoup de temps pour tourner la page après mon histoire avec Hector et peut-être que je ne l'ai jamais vraiment pardonné. Notre relation était vouée à l'échec dès le départ. Mais j'aime beaucoup Hilary. Je suis contente qu'elle semble si heureuse. Cela dit, je me dis toujours qu'elle mérite mieux que lui. Lu. Bon, ça c'est les habitants d'ici là, j'ai aperçu leur nom. Quand j'étais jeune, j'ai vécu dans l'ombre d'une légende, mais j'ai décidé de raconter ma propre histoire. De l'historique Alcimara au minuscule Oasis Springs. J'ai navigué sur une chute, embrassé un lama, gravi le mont Komorebi, aimé quelqu'un à la folie et élevé ma plus grande fierté, mon fils. Ma vie est remplie de souvenirs et maintenant qu'elle atteint son crépuscule, j'envoie un vœu dans l'océan. Ne craignez pas les ombres qui vous entourent, démarquez-vous et brillez de mille feux. C'est trop mignon, hein. Était-ce mon envie d'or pirate ou de jolis visages amusants des lamas? Aucun sim ne pourrait me reprocher cette deuxième option. J'ai bien caché ce que je faisais, alors peut-être que l'histoire ne saura jamais l'influence que j'avais sur le commerce avec les corsaires à Tartosa, et que c'est moi qui les ai invités ici. Cela ne serait pas correct pour une dame, mais bon. J'ai toujours été un peu rebelle. En tout cas, ma terre prospère. La lettre est signée avec une fioriture élégante, Matilda. Dis donc, on voit beaucoup Matilda aussi, hein. C'est toi le suivant. Ce message est suivi d'un smiley étrangement de travers et d'une date d'il y a environ 70 ans. Je contemple souvent la lune en me demandant si je pourrais avoir une vie différente. Je veux juste changer.
pour le meilleur ou pour le pire. Du coup, quand même pas mal de messages à propos des pirates, hein. Alors bien sûr, ça peut être juste pour ajouter du lore, pour ajouter un petit peu d'histoire et ne pas du tout être un indice sur le prochain pack, hein, bien sûr, je dis pas que c'est évident, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont laissées au hasard dans les Sims, donc j'ai tendance à croire que tout ça nous mène à quelque chose à un moment donné. Sachant en plus que les indices sur les pirates sont là depuis le début, hein, le jeu de base, il regorge de références sur les pirates, je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais c'est ouf comment il y en a partout. En particulier avec l'histoire de la princesse Cornelia, qui est juste ici, que j'ai téléchargée dans la galerie, c'est Maxis qui l'a mis dans la galerie, avec tout ce petit foyer, donc on a princesse Cornelia juste ici, Cornelia Tibi. Tibi, c'est également le nom de famille de quelqu'un à Tortosa. Hein. Mm-hmm. Dans le foyer, on a également Long John Buttercup, Chaz McFreeling, Bob the Butler, donc Bob le majordome, quoi, finalement, et Matilda the Chef. Donc Matilda, la chef. Attendez, regardez. J'ai bien caché ce que je faisais, alors peut-être que Histoire ne saura jamais l'influence que j'avais sur le commerce avec les corsaires de Tartosa. Parce que du coup, ouais, t'as tellement bien caché qu'on croit que t'es juste cuisinière. Lady Matilda Tartosa. Ouais, elle a pas l'air d'être une lady comme ça, mais peut-être qu'elle cache bien son jeu, quoi. Je suis ni une pirate, ni l'aventure dont elle rêve, mais plutôt une amie proche. Je la laisse donc partir avec tout sauf mon amour non réciproque. Ça veut dire qu'elle était amoureuse de Cordelia? Parce que Cordelia a une passion pour les pirates, vous allez le voir, je vais vous lire un petit peu tout. Elle a eu pas mal d'amants, les trois pirates qu'on voit ici, avec Rodrigo juste ici. Rodrigo, Chaz et John sont ses trois grandes histoires d'amour et tous les trois étaient pirates. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, Matilda était amoureuse de Cordelia. Du coup, comme je vous le disais, Cordelia, elle apparaît dès le base game. Hein. On a un buste royal princesse Cordelia, qui est jeu de base, et dont on nous dit « Avant la grande invasion des paresseux, la princesse Cordelia avait de brillantes prospectives d'avenir. Des princes faisaient des kilomètres juste pour venir prendre le thé avec elle. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que la princesse avait un faible pour les pirates. Mais nous avons créé ce splendide buste pour rappeler à quoi elle ressemblait aux yeux des princes comme des pirates. » Une très belle femme en somme. Nous avons également ce tableau qui maintenant on peut le dire ressemble énormément à Tartosa, hein. On reconnaît bien les petites maisons comme ça. Et du coup ça nous dit jardin de coraux terrestres, la princesse Cordelia a peint cette toile bien avant de fuir doucement les paresseux géants. Les photographies n'étaient pas courantes à l'époque. Cette toile était donc son seul souvenir de l'atelier où elle peignait dans son ancien palais. Confortablement assise dans le sous-marin qui lui a permis de s'échapper, elle a rebaptisé cette peinture qui ne s'appelle désormais plus nature morte florale, mais jardin des coraux terrestres. Je vous ai également mis tous les objets qui portent son nom, donc on a l'hyacinthe princesse Cordelia, les galions de la princesse Cordelia, la baignoire, la bibliothèque, le vase et le tapis. Donc on va lire un petit peu ce qu'ils disent tout ça. Alors le vase. Comme la plupart des membres d'une famille royale, la princesse Cordelia aimait les vêtements structurés et portait souvent un faux cul et un corset. Cela ravissait son premier petit ami pirate, peut-être un peu trop. Ce vase s'inspire du cadeau qu'elle lui a fait lorsqu'elle l'a quitté, au cas où il oublierait ses courbes ou ses épines. La bibliothèque, quant à elle, nous dit « Quand la princesse Cordelia s'est enfuie à bord de son sous-marin, elle a laissé derrière elle la plupart de ses livres. Ne supportant pas d'avoir l'air de ne pas être éduquée, elle a fait construire cette bibliothèque. Malgré ses pieds délicats, évoquant des crabes, elle est en fait assez solide pour résister aux turbulences occasionnelles en mer. » Toujours la référence aux pirates et à la mer, donc. Ensuite, on a le tapis. « L'un des avantages du sous-marin par rapport aux autres bateaux est que son soie reste toujours totalement sec. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être accueillant. La princesse Cordelia a conçu ce magnifique tapis de luxe pour garder ses orteils royaux au chaud lorsqu'elle sortait de son lit à bord de l'Epsilon. La porcelaine de cette baignoire a été chauffée par un kraken cracheur de feu qui attaquait régulièrement le sous-marin de la princesse Cordelia. À chaque attaque, le feu passait par une série de conduits avant d'atteindre le four à céramique installé à bord de l'Epsilon. Combien d'autres fabricants de meubles peuvent-ils dire la même chose? 3 ou 4. Grand maximum. Et enfin, pour finir, on a les lits. Donc on a le lit double. La princesse Cordelia avait un faible pour les pirates. Au cours de sa vie, elle en a fréquenté 3. Leur style tape à l'œil se retrouve dans l'une de ses gammes de meubles, les meubles sous-marins du Moussaillon. Ce lit est parfait pour un capitaine et semble sortir tout droit d'un galion. Et le petit, dès que la princesse Cordelia en avait marre de respirer l'haleine d'un pirate, elle se réfugiait dans la luxueuse solitude d'un lit comme celui-ci. Le lit d'origine était fixé au sol, nous l'avons donc rendu plus facile à transporter pour ceux qui vivent sur la terre ferme. Cela dit, cela rend aussi plus facile à voler. C'est vrai. Il y a également des références à Enford-on-Bagley, c'est l'un des premiers endroits où elle s'est installée a priori après du coup l'invasion des paresseux sur son île, et il semblerait qu'elle a été accueillie par le fondateur de Finchwick, Lord Volp. A priori, il vivait dans le château de Volp, qui sont aujourd'hui des ruines à Bramblewood. On peut les apercevoir un petit peu quand on est en jeu. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué également, mais les cascades s'appellent les chutes Cordelia. Donc a priori, elles ont été nommées ainsi après la visite de Cordelia
Ian Fordon-Begley, et on a aussi cette petite maison qui lui fait référence. Alors à votre avis, est-ce que l'histoire de Cordelia restera ainsi ou est-ce qu'elle finira par être développée dans un pack? J'ai tendance à croire qu'elle restera ainsi, mais j'aimerais tellement avoir un pack sur les pirates avec une histoire royale, ça me plairait trop trop trop. L'autre petite chose qui me met un doute et qui me laisse à penser que ça pourrait être des indices pour un pack, c'est ces petits objets qu'on a retrouvés dans Escapade enneigée. Alors les petites simies, on les trouve dans Escapade enneigée, comme je vous disais, dans des petites capsules, et c'est voilà, une nouvelle collection. Donc on a la simie Yamashan, qu'on connaît puisque c'est la petite mascotte Omokomoribi. On a également ici juste la princesse Cordelia. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qui n'a jamais entendu parler de l'historique et héroïne princesse Cordelia? Exploratrice, amoureuse de pirates et dompteuse de kraken. On a une simi gnome. Ça, je sais pas ce que c'est, la simi Buddy. Je sais pas qui c'est Buddy. Tiens. Porteur de bagages le plus sympathique du quartier, Buddy est jeune esprit mais sait ce qu'il veut dans la vie. Tiens, c'est peut-être un indice aussi ça parce qu'on n'a pas de porteur de bagages. Peut-être un indice pour un pack hôtel. Oui, oh, j'ai le droit de rêver, hein, laissez-moi. Ça, c'est Mère Moustache, donc ça vient avec le pack chien et chat. Ça, c'est qui, ça? All Gabby. Tiens, All Gabby, ça nous dit quoi? On dit que le cœur d'All Gabby est aussi dur que la pierre qu'il extrait, mais personne ne peut le battre au violon. Bon, oui, ça me dit rien, ça non plus. Ça, c'est Jasmine Holiday. Bon, on l'a déjà dans le jeu avec le truc défi spécial. On a également Madame Zoé. Alors, Madame Zoé, laissez Madame Zoé regarder dans sa boule de cristal pour voir ce que vous réserve l'avenir. On n'a pas vraiment Madame Zoé, je crois, avec le kit paranormal, mais du coup, on a eu un kit paranormal après la sortie d'Escapade enneigée. Donc, c'était peut-être un indice sur un pack avec le boule de cristal et tout. On a également Easy Fabulous. Ça, c'est pareil, il est dans le jeu. Et bien sûr, le Père Hiver. Et moi, les deux qui m'intéressent, c'est ces deux-là. Alors, on a Bête de la Fosse, juste là, et ici, Simi, faucheuse médiévale. Alors, Bête de la Fosse, ça nous dit. Les loisirs de la Bête de la Fosse incluent infliger des punitions médiévales, manger et jouer avec les héros. Quant à la Simi, faucheuse médiévale, elle nous dit, en portant des cimes comme au Moyen-Âge, avec des crânes et une faux, c'est la faucheuse médiévale dans toute sa terrifiante splendeur. Alors, la Bête de la Fosse, ça peut être simplement une référence aux Sims médiévales. Ça arrive qu'ils fassent des références à d'autres opus. On a par exemple des petites cartes postales avec des villes des Sims 3, donc ça pourrait être le cas, juste une référence à un ancien opus, mais le fait qu'ils insistent avec une simie faucheuse médiévale, je sais pas, je trouve ça un petit peu étrange d'avoir deux simies sur le thème médiéval, bon après c'est peut-être pour avoir une espèce de collection, mais ouais, je sais pas, je voulais quand même le spécifier. Alors après oui, ça peut sembler un peu bizarre de se dire mais médiéval et pirate, c'est pas la même époque, etc. Mais on avait eu un pack Sims médiéval, noble et pirate, donc je me dis, ils sont capables de remélanger un petit peu tout ça. Ou alors ça serait pas un pack médiéval, ça serait un pack voyage dans le temps. Et du coup, on aurait une époque pirate, une époque médiévale. Non, je suis en train de rêver. Je suis en train de les surestimer, là. En tout cas, avoir un pack médiéval, noble et pirate, comme avec les Sims médiévales, c'est tout ce que je nous souhaite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que l'histoire de Princesse Cordelia, c'est juste pour ajouter un petit peu de lore dans les Sims 4? Ou est-ce que vous pensez que ce sont des indices pour un pack pirate, royal, médiéval? Moi, honnêtement, j'espère. Dites-moi si ça vous ferait plaisir d'avoir un pack un petit peu bon dans le passé, comme ça. Moi, je sais que j'adore ce genre d'histoire. Je suis à fond sur les reines et tout, donc je serais trop contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite dans une prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Kiss me, the